que c'est bien. Il y a tout un tas de questions qu'on est obligé de poser, qu'on va les gens, les opticiens, les magasins, n'ont pas forcément pensé à poser. Alors que moi, des fois, je vois les gens, des fois il y a des personnes âgées, ça va être le lit, la table. D'abord, vu la sécurité d'une pièce, bien souvent, dans l'éclairage, un peu même de redonner des conseils aussi au niveau de l'éclairage, on dit c'est là, parce que c'est la pièce, là, il faut vous poser une lampe à cet endroit-là. Après, je vois aussi avec la famille, évidemment. Souvent, je vais faire deux ou trois devis, après, on contacte la sécu et la mutuelle. La sécu, non, on sait très bien ce qui est remboursé, c'est quasiment rien. On contacte, je contacte aussi la mutuelle pour savoir combien. Ça va coûter à la personne, comme ça que la personne puisse décider, la famille, la personne est capable de le faire. J'ai des tests, effectivement, pour les gens qui ont plus un Alzheimer, mais qui n'ont pas toujours été capables de me lire des lettres. Il va y avoir des petits dessins sur le test, comme pour les enfants. En fait, ils vont me dire éléphant, avion, voilà. Parce que dans la vie, ils vont déterminer avec le temps en fonction de ça. Enfin, je crois que c'est. J'ai plus l'habitude d'avoir une personne qui va voir ça. Voilà, sinon, une grande analyse avec environ 200 à 300 champignons. Donc, il y aura TIC solaire, des solaires que je peux adapter à la vue. Tout un tas de montures aussi très souples pour les gens qui vont faire de l'e-sport, par exemple. Là, c'est la même. Bouger en plus sens, les gens qui vont faire des cartes, des choses comme ça, qui ont une mobilité qui va être très réduite, qui ont tenu aussi en fonction de leur posture. Et là, j'ai adapté si la personne est plus dans l'endroit à ce qu'elle a décidé, par exemple. Voilà. Parfaitement. Dans le micro. Non. En étant allongé. Ou si jamais c'est dans l'e-sport, si elle prend une balle, elle va être sûre que. Ne l'a pas cassé, vous risquez de laisser la personne. Même pour les petits-enfants, c'est la même chose, et non pour les tout-petits qui existent également. Tout ça va prendre une note extrêmement souple, ça va être 2,79 euros. C'est pas quelque chose de monsieur, mais c'est quelque chose de très simple, mais très efficace, et largement préférable. Je sais, pour tous mes choix de monture, moi pour l'instant, les mutuelles, elles plafonnent à 150 euros sur les montures, donc bientôt ça va passer à 100 euros. Il devrait y avoir le 100% santé. Il devrait sortir au mois de janvier. A priori, ça va être reporté à juillet. C'est les parlementaires qui décident. Nous, on suit. Comme forcément, on est titulaire de santé, une profession qui devrait aller au mois. Souvent, c'est les infirmières, les aides à domicile et les infirmières qui disent ah, oui, j'ai un quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous parce que. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'essaye, bah, je laisse ça à vous comme ici. Sinon, mon stand est juste là. J'ai quelques échantillons, vous avez des renseignements, n'hésitez pas. Merci. Vous avez malheureusement écrit Redevenir qui va devoir partir parce qu'elle a 1h30 de route, puisqu'elle repart sur Amiens. Et j'étais en train de regarder un petit peu ses livres. Il faut savoir que vraiment c'est un souvenir. Alors elle a aussi été moisillante. Donc ce sont des livres. Alors elle a voulu laisser le nom des personnes comme si elles étaient les rédactrices. Dans certains cas, en effet, ils peuvent le faire. Dans d'autres cas, c'est un petit peu moins exact. Donc elle est là pour ensuite passer le message et surtout bah, créer du lien autour de la personne qui a envie de faire cette écriture. Et le monsieur est parti sur France Alzheimer, mais je pense que c'est un élément qui aide à ne pas oublier
ou en tous les cas se rappeler qui était la personne et la faire continuer à exister quoi qu'il advienne, même si après elle décède, en tous les cas il y aura au moins son livre et son souvenir qui restera là. Donc voilà, je l'avais fait venir pour ça, donc j'ai pris en photo ce qui est écrit, je pense que je couperai au niveau du nom pour laisser le nom à la personne et non pas le transmettre à des inconnus, mais c'est vrai que c'est des très jolis livres, et là si j'ai bien vu, il y a même un livre avec un enfant hein, qui a écrit pour sa maman. Non, c'est pas ça, c'est la petite est handicapée en fait. Oui. La stimuler. Donc voilà. Voilà, il y a des solutions, il y a toujours des idées. Je pense qu'elle a dû le dire tout à l'heure, mais j'étais en train de faire des allers-retours, je ne sais plus où. Vraiment. J'ai un peu beaucoup bougé. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des idées derrière, et d'être accompagné, ça aide vraiment à faire des choses bien. Voilà. Bon, bien, bonne visite sur le salon, hein, restez attentifs, curieux, et puis profitez-en pour rencontrer ces personnes, puisqu'elles sont là pour vous. Et n'oubliez pas donc l'entretien et le fleurissement des tombes, je rappelle encore, c'est pas parce que vous avez une concession à perpétuité pour 30 ans que c'est vrai. Alors c'est tout ce vrai, c'est que s'il n'y a personne qui passe, on considère que vous êtes définitivement mort et disparu, donc votre tombe est récupérée. Voilà, donc pensez-y, fleurissement des tombes. Récupérer ça.